comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, d'Aaron, qui descend sur son vêtement. C'est comme la rosée du mont Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction et la vie pour l'éternité. Oui, avec ces paroles du psaume 133, nous pouvons dire qu'il est bon d'être réunis ici ce matin, dans la diversité de nos parcours. Il est bon d'être rassemblés, anciens, nouveaux, passants au foyer de l'âme, des jeunes, c'est formidable de vous voir ici, des moins jeunes, vous êtes aussi formidables. Les protestants de toujours, les porteurs d'autres traditions, ceux qui sont présents dans le temple et ceux qui le sont par le moyen des réseaux sociaux. Il est bon ce temps de culte de rentrée, où la présence des uns et des autres est offerte aux uns et aux autres. Vous êtes chacun les cadeaux des autres. Chacun de vous reçoit le cadeau de tous les autres. C'est comme le don d'une huile parfumée, d'une rosée rafraîchissante, un pur bonheur où s'épanouit le présent et où s'éclaire l'avenir. C'est une bénédiction qui coule, qui se dépose en nous, dans la grâce et dans la paix qui nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ notre Frère, dans la communion de l'Esprit qui nous réunit tous et toutes. Prions. Prions ensemble. Éternel, nous te confions le temps de ce culte. Viens y déposer quelques questions pour nos existences, un peu de lumière pour nos obscurités, de la joie pour nos regards, un élan d'avenir pour nos partages, de l'amitié dans notre assemblée et du souffle pour notre vie. Amen. Je vous invite à chanter le premier des cantiques de ce culte, c'est au psaume 25, non pardon, au psaume 33, les strophes 1, 2 et 5. Le psaume 33, réjouis-toi, peuple fidèle, et nous nous levons pour chanter. Thank you.
tout ce que nous recevons de bon et de beau pour nous, pour le monde et ce qui nous fait vivre. Nous te louons pour tous ceux qui te donnent un visage en répandant ton amour dans le monde. Nous te bénissons pour tous ceux qui te donnent des mains en faisant le bien à l'égard d'autrui. Nous t'acclamons pour tous ceux qui te donnent une bouche en prenant la défense des faibles et des opprimés. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque parcelle d'amour dans le cœur humain. Nous te louons pour tous ceux qui te donnent un cœur en veillant sur les pauvres et sur les petits. Nous t'acclamons pour tous ceux qui te révèlent simplement par ce qu'ils sont, par ce qu'ils reflètent ta beauté dans leur vie. Nous te bénissons. Amen. Et nous chantons encore au cantique 252, Grand Dieu, nous te bénissons. Leur salle pour faire connaissance, pour refaire connaissance, donner des nouvelles et jouer.
Mais avant, nous allons les remercier d'être là. Nous allons les entourer de notre prière. Nous allons faire un petit peu connaissance avec eux. Et en commençant par celles et ceux qui vont les accompagner pendant l'année, les moniteurs et catéchètes du foyer de l'âme, que j'invite à venir. Moi, je m'appelle Éléonore, je vais m'occuper de l'école biblique avec mes collègues et je suis étudiante en L2 en théologie. Moi, c'est Émile. Je vais également m'occuper de l'école biblique cette année avec Éléonore, Christophe et Emmanuel. Bonjour, moi, c'est Emmanuel. Bonjour, Christophe. Emmanuel et moi sont mariés et femmes. Et papa d'Inès qui est aussi l'école biblique, mais qui sont aujourd'hui tous au CFP. Bonjour, Serge, je m'occupe de pré-capé pour des jeunes de 4e. Et en ce qui concerne le capé, les plus grands, c'est avec moi qu'ils chemineront cette année. Alors, Serge, est-ce que tu peux dire aussi 2-3 mots de ce que vous allez faire? Oui, on essaye de parcourir très rapidement l'histoire de l'Église, en commençant par les premières églises, donc juste après donc les tout premiers siècles, Paul, et puis on essaie d'arriver jusqu'au foyer de l'âme en sautant beaucoup de siècles et beaucoup d'histoires, avoir une idée un petit peu de ce qui s'est fait. Et pour notre part, on va continuer le cheminement qui, d'année en année, essaye de voir plein de thèmes. Cette année, on va parler de la famille, des relations dans la famille, et puis plus largement, des frères et sœurs, c'est vrai. Et largement ce que c'est qu'être frère et sœur en famille, mais aussi en communauté. Et chaque séance, on se retrouvera au deuxième étage. On va prier, chanter, jouer, découvrir un texte. Et on invite les parents à nous retrouver à la fin du culte, dans la salle du deuxième. Et les plus grands du caté, qui est une année où leur est proposé soit d'être baptisés, de recevoir le baptême s'ils n'ont pas été, ou de faire leur confirmation s'ils ont été baptisés plus jeunes, eh bien nous cheminerons dans la compréhension de ce qu'est la vie, de ce qu'est la vie dans la foi, de qui est le Dieu de Jésus-Christ, avec quelques paraboles. Voilà, ce sera un chemin parabolique pour nous conduire, et bien nous verrons. Alors maintenant, après ceux qui les accompagnent, et bien les enfants et les jeunes, donc je vais vous demander de venir ici aussi. Oh ouais. De nous émerveiller d'eux.
c'est de prier pour eux. Alors je vous invite à prier. Éternel, nous te présentons les enfants du foyer de l'âme, ceux qui viennent à l'école biblique, au précaté, au catéchisme. Nous disons merci pour leur belle présence, pleine de joie, et qui nous tourne vers l'avenir. Nous disons merci pour les moniteurs et catéchètes qui les accompagnent fidèlement. Que souffle sur leur année de découverte un air de fête et d'amitié. Et donne-nous de les accueillir toujours avec confiance, de les reconnaître avec joie, et que passe entre eux, entre eux et nous, entre nous tous, ton esprit de fraternité. Amen. Et nous prolongeons cette prière avec un chant, celui que nous chantons à chaque culte de rentrée, que vous trouvez sur la feuille « Seigneur, dirige et sanctifie ». Thank you.
rapprocher, ça fait un vide. Et avant de lire dans les Écritures le texte biblique pour ce jour, nous prions. Par ton Esprit éternel, donne-nous d'entendre ta parole à travers des mots de la Bible. Ainsi, nous pourrons voir et comprendre et découvrir dans le vécu de nos rencontres, dans le tumulte des contradictions d'aujourd'hui, la réalisation de ta promesse au cœur de nos existences. Nous t'en prions par Jésus le Christ, ton Fils, notre frère, qui fait route avec nous. Amen. Nous lirons donc aujourd'hui la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Vous avez le texte. Il s'agit d'une traduction un peu, vous ne trouverez pas dans d'autres Bibles, puisqu'elle est le produit de plusieurs autres traductions déjà existantes, et puis avec aussi quelques éléments personnels dans le travail que j'ai fait sur ce texte. Donc au chapitre 2 de la lettre aux Philippiens, les versets 1 à 11. Si donc il y a quelque encouragement en Christ, s'il y a quelque consolation dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque compassion. Rendez ma joie parfaite en ayant une même pensée, un même amour, une même âme, une disposition d'unité. Ne faites rien par ambition personnelle ou par vanité, mais par humilité, estimez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de veiller à ses propres intérêts, veille sur ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui étaient en Jésus-Christ, lequel, en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux humains. Et ayant paru comme un humain, il s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a surélevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, c'est donc avec un poème que nous entrons dans une nouvelle année au foyer de l'âme, puisque l'année d'animation et d'activité des églises locales commence en septembre. Et cette année s'ouvre de manière un peu solennelle, nous marquons cette entrée dans l'année avec ce culte qui comporte l'accueil des enfants, des jeunes, et puis le partage de la scène. Et culte, accueil des enfants, partage de la scène, ce sont trois manières de signifier l'assemblée qui se réunit ici. Pas seulement pour le culte dominical, bien sûr, et qui est une assemblée ouverte.
ouverte d'un côté par l'évangile qui la fonde et qui ne lui appartient pas, et ouverte de l'autre côté sur ce qui l'environne, la visite, la questionne. C'est à une autre assemblée que Paul écrit, l'assemblée de Philippe, une ville de Grèce, et dans un autre siècle, le premier. Et pourtant, ce qu'écrit Paul aux Philippiens ne nous est pas complètement étranger, loin de là. Parce que nous nous demandons bien une fois ou l'autre ce qui nous tient ensemble. Comment donner forme à nos relations, même les plus ténues, à ce qui nous tient ensemble? Nous nous demandons ce qui est important, voire essentiel, chacun dans sa propre existence et pour l'assemblée où nous nous réunissons, quelquefois ou souvent. Nous nous demandons comment vivre en humain, dans ce monde si plein de crises, de dangers, d'épreuves, et ce qui nourrit notre assemblée, qu'elle pourrait offrir au-delà d'elle-même. Puis peut-être aussi que les enfants et les jeunes se demandent ce qui conduit leurs parents à les amener ici, et que les parents se demandent peut-être comment l'expliquer à leurs enfants. Paul propose un poème qui n'est certainement pas la réponse à toutes ces questions, parce qu'il n'y a pas une réponse déjà là pour toutes les questions. Un poème, ou plutôt un double poème, comme le suggère la mise en page du texte sur la feuille. Autant le dire tout de suite, la deuxième partie, celle qui est alignée à droite sur les feuilles, versets 6 à 11, cette partie-là n'a pas été écrite par Paul. On l'appelle traditionnellement l'hymne aux Philippiens, un hymne, un cantique, qui dessine un parcours de Jésus-Christ. Et Paul a reçu ce texte, il lui a été transmis, comme nous recevons de ceux qui nous ont précédés, des cantiques, des prières, des textes de diverses origines, de différentes natures, et les Écritures elles-mêmes. Tout cela représente un trésor, une source, une mine de ressources, de mots, de pensées, d'images qui aident à exprimer ce qu'il y a en nous et ce que nous croyons, et qui nous aident à affiner nos questions et à découvrir des éléments de réponse. Et sur ce poème qui lui a été transmis, Paul en a écrit un autre, appuyé sur celui qu'il avait reçu, comme sur une fondation, un nouveau poème qu'il adresse aux Philippiens pour dessiner devant eux leur assemblée. Comment ça un poème, me direz-vous? Il y a des impératifs à presque tous les versets. Quand c'est pas un impératif, c'est un subjonctif à valeur impérative. Ces versets 1 à 5 ressemble surtout à une liste d'exhortations, comme il y en a tant dans les lettres de Paul. Faites ceci et pas cela, soyez comme ceci et pas cela. C'est plus proche du règlement intérieur que du poème. Et pourtant, l'hymne que Paul a reçu et qu'il transmet à son tour, comme le poème, comme un poème, nous conduit à lire, relire les versets précédents comme un autre poème. Et commençons par l'hymne, le poème sur le Christ, les versets 6 à 11. Nous reviendrons ensuite au premier verset, le poème sur l'assemblée, le poème sur les frères et les sœurs. Un poème, ce n'est pas une définition. Ce que l'hymne déploie au sujet de Jésus-Christ ne l'assène pas comme un article de foi à croire un fois c'est tout. Le poème ne décrit pas une réalité objectivable. Il ne fait pas état d'un savoir, pour la bonne raison qu'il évoque ce dont il est impossible de parler précisément, comme si on savait exactement ce qu'il en est. Comment pourrions-nous parler de ce qui se passe en Jésus le Christ
avant qu'il soit né homme parmi les humains. Ce n'est d'ailleurs même pas une chronologie. C'est hors du temps. C'est impossible à dire. Sauf avec un mythe ou un poème qui suggère, qui imagine et qui ne prétend jamais dire « c'est comme ça ». L'hymne aux Philippiens raconte un parcours, une trajectoire du Christ, comme un abaissement, suivi d'une élévation et même une surélévation, une élévation au plus haut. Mais ce plus haut, ça n'est pas non plus un espace. Cet hymne sur le Christ n'est pas de l'ordre de l'explication de la nature du Christ. Il ne veut pas démontrer quoi que ce soit. Un poème, ça décale. Ça propose des images qui permettent de comprendre d'une nouvelle manière. Un peu comme le poète qui disait que la terre est bleue comme une orange. C'est important de le savoir, tu entends, de laisser l'idée tourner dans sa tête pour penser la terre. Elle est bleue comme une orange. Le poème aux Philippiens propose des images qui permettent de comprendre quelque chose du Christ et du Dieu de Jésus-Christ. Et un poème, c'est souvent assez paradoxal. Et là, il y a un énorme paradoxe. Parce qu'en fait, franchement, il n'y a rien de moins divin qu'un crucifié. Et pourtant, ce Dieu se révèle dans un homme crucifié. Et le poème nous aide à penser cela, qui heurte impitoyablement toutes les attentes humaines en matière de divinité. La croix est au centre du poème. Elle est le point d'inflexion du mouvement que raconte l'hymne, le point le plus bas de l'abaissement qui en est retourné en élévation, en surélévation. Et cet abaissement est guidé, selon lui, par l'absence complète de convoitise et de cupidité de Jésus-Christ. Il n'a pas regardé comme une proie d'être égal avec Dieu. Et ça aussi, ça percute tout ce qui caractérise l'idée commune du divin. Un divin qui ne se prendrait pas pour Dieu. Ce Jésus qui venait de Dieu, les évangiles racontent, mais autrement que le poème, qu'il n'exigeait jamais de dévotion, qu'il n'attendait pas d'admiration, qu'il n'accumulait pas les honneurs, qu'il n'était pas gourmand d'hommages, qu'il n'usait pas de force, qu'il n'a jamais pris à personne sa liberté, sa responsabilité, sa parole. Jésus n'a rien volé, au contraire. Il a rendu à celles et ceux qu'il rencontrait ce dont il manquait, ce dont ils étaient privés, la dignité, la confiance, l'estime de soi, la liberté intérieure et la parole. Jésus n'a pas passé son temps à défendre son rang ou son identité, il a passé son temps à ranimer la vie des autres. Ce pourquoi il a été tué et crucifié. Lui, le Christ, n'a pas considéré comme une proie d'être égal avec Dieu. La proie, c'est ce qu'on attrape de force, ce qu'on vole. En grec, cela se dit arpagmos. Et vous avez certainement entendu dans ce mot l'origine d'un nom fort célèbre du théâtre de Molière. Arpagon. Le cupide qui dérobe, prend, entasse, cache, garde, Arpagon l'avare, celui dont la convoitise sans borne, lui fait sacrifier à son profit sa famille, la jeunesse, l'avenir, la mort. Jésus, lui, s'abaisse, ou encore se vide de toute prétention, et cette humanité-là, parce qu'elle est humanité véritable, ne recule pas, même pas devant la croix.
et c'est lui que Dieu surélève. Les évangiles et Paul par ailleurs écrit, c'est lui que Dieu réveille, relève, ressuscite. C'est une manière de dire que ce crucifié était bien le Christ de Dieu et la reconnaissance, la confession de foi, est mise en scène par le poème aux dimensions de l'univers, les cieux, la terre, sous la terre. Un contraste maximum avec la croix, l'abaissement de la mise à mort, qui elle-même résonne avec le premier paradoxe du Christ crucifié. L'égal de Dieu qui meurt sur la croix, le crucifié surélevé, voici les deux volets de l'hymne, et aussi bien l'un que l'autre est l'inverse de la conception mondaine de Dieu et du Christ. À la croix se révèle un Dieu qui n'est pas tout puissant, à qui toutes et tous ne sont pas soumis. Et rien ne peut estomper ou enjoliver cela qui renverse toute prétention et tout orgueil. Mais le poème déplie le sens, il en trace l'espace, il en donne sa portée à sa manière de poème qui offre mais n'impose pas, qui ouvre et n'enferme pas, qui propose et ne contraint pas. Un poème qui élargit l'espace intérieur de celui ou celle qui le reçoit, qui renouvelle et ranime l'élan intérieur de la pensée et donc de l'agir aussi. Un poème qui déploie une liberté intérieure insoupçonnée. Sans quoi le poème est une forme qui convient particulièrement bien à l'Évangile et à la foi. De même que les paraboles que nous découvrirons cette année au Caté. Alors l'hymne philippien nous invite à lire et à relire la première partie, les 5 premiers versets du chapitre, comme un poème, parce que c'est l'hymne qui inspire les mots de Paul, son évocation de l'assemblée, des relations entre les frères et les sœurs. Et si l'un repose sur l'autre, les deux poèmes sont aussi un peu en miroir. Ainsi, Paul commence par ouvrir un espace vivifiant, avec les mots d'encouragement, de consolation, de communion, de tendresse, de compassion. Laissez ces mots résonner en vous. S'il y a tout cela, écrit Paul. Mais ce n'était pas une tournure hypothétique, car c'est bien cela, l'encouragement, la consolation, la communion, on pourrait dire union, la tendresse, la compassion, c'est bien cela qui tient le monde comme monde ou vivre en humain, un comme monde vivable pour tout humain. Encouragement, consolation, communion, tendresse, compassion. Ce sont des mots qui saisissent, qui raniment, qui rafraîchissent, qui réintroduisent dans la bonté originelle. Ce sont des mots qui ramènent à la source de la vie. Et ces mots sont une manière de dire ce qui fait vérité du monde pour celles et ceux qui accueillent le Christ crucifié et ressuscité comme révélation et manifestation de Dieu. Dans cette ouverture au don de la transcendance, le parcours du Christ selon l'hymne offre une nouvelle manière de vivre à celui ou à celle qui se laisse inspirer et qui s'en inspire. Plus besoin de jouer des coudes pour garder une place dans la compétition générale. Plus besoin de considérer autrui comme un concurrent ou une charge. Ou comme un ennemi. Nous pouvons nous tenir autrement dans la réalité du monde qui n'est pas plus douce pour les croyants que pour les autres, mais nous y tenir autrement. Et l'Assemblée, l'Église, est un lieu privilégié pour en faire l'expérience, pour y être encouragé, pour se remettre en mémoire les poèmes, pour laisser les mots et les images venir flotter, résonner, scintiller,
se laisser inspirer. Paul écrit un poème de vie sur le poème de foi. Un poème est un règlement. La même pensée, le même amour, la même âme, la disposition d'unité ne parle pas d'uniformité. C'est que Paul est l'apôtre du sujet singulier, libre et responsable, créé par la grâce de Dieu. Il ne vise pas à une conformité monotone. Mais ce dont il parle là, c'est du commencement et de l'accomplissement en Christ de chaque existence humaine, qui sont toutes extrêmement diverses et cependant toutes appelées par le même Dieu à la vie vivante. Alors, la fraternité peut éclore, nourrie par la trajectoire du Christ évoquée par l'hymne. À l'absence de convoitise de Jésus-Christ, répond l'abandon de l'ambition personnelle, c'est-à-dire vouloir se hausser soi-même, vouloir être bien considéré, vouloir prendre le pas sur autrui. Pour le dire autrement, c'est aussi l'abandon de l'orgueil qui fait regarder l'autre comme un obstacle ou un objet. Abandon aussi de la vanité qui génère tant d'illusions et de déceptions et de ressentiments parce qu'elle nous empêche de paraître avec nos fragilités et nos manques. Mais cet abandon n'est pas tant le fruit d'un effort personnel que celui de l'inspiration par le parcours du Christ que chante le poème aux Philippiens. De même, à l'abaissement de Jésus-Christ répond l'humilité. Et l'humilité, ce n'est pas de s'écraser plus bas que terre. L'humilité, c'est de regarder l'autre comme étant élevé, parce que c'est la destinée à laquelle Dieu l'appelle en Christ. L'humilité, c'est aussi la conscience que nous avons besoin les uns des autres. Besoin de leur aide, de leur soutien, de leur amour, de leur présence. Et alors la reconnaissance suit de près l'humilité. En quelque sorte, l'humilité, c'est le contraire de la crispation sur soi. Elle tient du lâcher prise, et ce faisant, elle laisse la place pour les autres, pour le souci des autres, pour la veille sur les intérêts des autres, écrit Paul dans son poème. Et là encore, il ne s'agit pas tant de s'exercer pour réussir à être humble, que de se laisser inspirer, de s'inspirer, d'inspirer dans l'espace du poème, du double poème aux Philippiens, d'y laisser son âme, sa pensée, son regard, être dilaté par le désir de vivre. C'est le chemin de l'humanité, pas seulement celui d'une assemblée, quand l'humilité nourrit la fraternité. Quand nous nous accrochons, quand nous nous articulons notre existence au don et à la reconnaissance plutôt qu'à la convoitise. Quand nous nous relions à ce nom qui est au-dessus de tout nom et que nous y recevons le goût des autres, ce qui suffit pour vivre. Amen. Thank you.
invite à vous lever pour la confession de foi. Et à vous joindre à cette confession de foi qui est celle de l'Église unie du Canada. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu a créé. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer, qui est venu en Jésus, parole faite chair, pour réconcilier et renouveler, qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit. Nous avons confiance en Dieu. Nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de Dieu, pour vivre avec respect dans la création, pour aimer et servir les autres, pour rechercher la justice et résister au mal, pour proclamer Jésus-Christ crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dans la vie, dans la mort, dans la vie au-delà de la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Nous chanterons au cantique 264, les strophes 1 et 3 du cantique 264, rempli d'amour et de reconnaissance. Éternel notre Dieu, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout de confiance et de reconnaissance, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il ouvre pour nous un monde nouveau où nous sommes nourris et vivifiés, libérés et renouvelés. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé ton amour au long des siècles, avec tes enfants rassemblés ici et partout, nous célébrons ton nom. Et nous te chantons. Nous chantons au cantique 231. De toi, Seigneur, nous vient le don.
et pour nous rendre plus humains et plus fraternels, que le soir où Jésus a été livré, il a pris du pain, il l'a donné à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » De même, Jésus a pris la coupe, et après avoir rendu grâce, il l'a donné à ses disciples en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Il est versé pour la rémission des péchés. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Nous nous rassemblons dans la prière. Nous venons à toi, Dieu de Jésus-Christ, Dieu de générosité. Nous nous ouvrons à toi, Saint-Esprit du Dieu de bonté. Qu'avec ce pain et ce vin, ce soit ta vie qui monte en nous. Nourris-nous de la vérité de ton espérance et unis-nous dans ta paix. Notre Dieu, nous te remercions pour toute la lumière, la grâce et la vie dont nous avons fait l'expérience dans nos existences. Mais nous te prions aussi. Libère-nous de l'étroitesse d'esprit et de l'autosatisfaction. Donne-nous d'accueillir et d'entrer dans l'élargissement d'être que tu nous offres, de résister aux multiples visages de la peur et de cheminer en simplicité de cœur et d'esprit. Ouvre nos yeux, nos intelligences et nos cœurs, pour que nous reconnaissions l'œuvre de ton esprit parmi d'autres personnes et sous d'autres formes que celles que nous connaissons. Rappelle-nous toujours que tu es notre Père à tous, et encourage-nous dans le service de ceux que tu nous appelles à aimer. Souffle en ceux qui sont en position de pouvoir, la sagesse de bien gouverner, et la grâce de reconnaître que rien n'est solide qui ne soit pas juste, et que ce qui est juste, c'est de rechercher ce qui est bon pour tous. Par ta parole, éveille toujours notre conscience à la responsabilité de veiller sur ta création, afin de faire place aux générations qui viennent. Notre Dieu, que ton esprit de communion engage tout notre cœur, toute notre âme dans la prière que Jésus le Christ a enseignée à ses disciples et que nous disons maintenant ensemble à voix haute ou dans notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Au repas des vivants. Voici le pain et le vin, signe de la vie donnée et reçue en Jésus-Christ. Voici le repas, la scène qui ouvre en nous des chemins de justice et de paix par Jésus-Christ,
notre sauveur et notre frère. Venez, car tout est prêt. Et parce que ce qui nous accueille est plus vaste que le signe qui en parle, si vous ne souhaitez pas participer pour une raison ou pour une autre, vous ne serez privé ni de la vie, ni de la grâce, ni de la joie offerte en abondance. Sentez-vous libre de décider par vous-même et pour vous-même. Mais tous nous formerons un cercle autour du temple. Venez, puisque tout est prêt. Ce cercle du repas autour de la table signifie que parmi nous, personne n'est au-dessus des autres. Personne n'a plus, personne n'a moins. Voilà ce que dit notre cercle. Alors pour que ce soit encore un cercle plus vivant, eh bien je vous invite à saluer votre voisin de droite, votre voisin de gauche et vous enquérir de son nom si vous ne le connaissez pas. Et puis pour la communion, je vous invite à attendre que chacun ait reçu le morceau de pain et le petit verre de vin, et puis nous mangerons et nous boirons tous ensemble. Nous rompons le pain. Et la communion au corps du Christ, à sa vie donnée. Cela signifie pour nous que le Christ vivant met en nous sa vie, pour que notre vie devienne sienne. Nous disons merci pour la coupe. Elle est la communion au sang du Christ, sa vie versée pour nous. Cela signifie que par une alliance sans cesse renouvelée, Jésus-Christ fait couler en nous sa vie, comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne ciel, dans l'espérance et dans l'amour.
Notre Dieu, tu nous as nourris d'un pain de liberté. Qu'il soit notre force pour la route, qu'il soit la joie de notre cœur. Par Jésus le Christ vivant pour nous, pour toujours. Amen. Des annonces pour ce dimanche de culte de rentrée, 17 septembre. Comme tous les dimanches, la collecte alimentaire est organisée au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Donc n'hésitez pas à y apporter des produits alimentaires non périssables, en sachets scellés, des produits d'entretien, des produits d'hygiène. L'épicerie solidaire a besoin de notre soutien. Dans le temple, une heure pour respirer, se mettre large, se nouer à d'autres. Et le soir de ce même jour, le vendredi 21 à 10h30, ce sera la réunion du groupe des jeunes adultes du foyer de l'âme, un groupe qui est ouvert à toute personne entre 25 et 35 ans à peu près. Ceux qui sont déjà, qui ont déjà participé ont reçu un message. Et si vous êtes intéressé, venez me voir à la sortie, me le dire, et puis je vous enverrai comme ça les indications et les coordonnées. Ce sont des temps fort fraternels et conviviaux autour d'un repas abondé par ce que nous apportons et autour d'un thème. Et jeudi, ce sera le thème de l'engagement. Le vendredi 22, le comité de l'entraide du foyer de l'âme se réunira pour aborder l'année d'entraide qui arrive, et à ce sujet, Dominique a une annonce à faire. Merci beaucoup. Comme à chaque fois que nous sommes très nombreux, je lance mon petit SOS. Dans le cadre des activités de l'entraide, pour celles et ceux qui ne sont pas informés, nous accueillons temporairement des personnes qui ont un rendez-vous à l'OFPRA ou à la CFDA et qui sont hébergées par Welcome Bar à Toulon. Donc on ne peut pas faire Toulon-Paris dans la journée, aller-retour, et on les accueille la veille ou le lendemain. Donc on a besoin, on est un petit groupe dont certains sont là pour accueillir, accompagner à l'OFPRA, mais les hébergeurs, les gens qui peuvent offrir une nuit chez eux sont de plus en plus rares. Et là, pour la rentrée, je n'ai guère qu'un un foyer qui peut héberger. Donc, si d'autres foyers disposaient d'une chambre avec une douche, ce serait vraiment merveilleux. Vous signalez soit Dominique, soit moi. Merci. Continue dans la semaine. Samedi 23 à 10h30, le groupe Évangile et Liberté se réunira dans la salle du deuxième. Et nous avons reçu le nouveau numéro d'Évangile et Liberté. Donc nous pourrons le feuilleter à la fin de la réunion. Et dimanche 24, il y aura bien sûr le culte à 10h30 et ce sera un culte qui sera animé par la commission Église verte de notre paroisse. Nous faisons partie de cette dynamique, de ce grand mouvement d'Église œcuménique d'églises diverses qui se soucient des questions d'écologie et de justice sociale, les deux étant profondément liés. Et donc c'est ce groupe qui animera le culte de dimanche dans cette thématique. Et puis pour aller
Consistoire, c'est un regroupement de paroisses proches géographiquement. Donc pour nous, alors ça va de l'Oratoire à Aubervilliers, des Calignes à Beaumarais, donc c'est quand même un ensemble assez vaste. Mais une fois par an, nous organisons une demi-journée de rencontres, d'échanges, de réflexions sur un thème. Et le thème de ce samedi, ce sera Église de multitude, c'est-à-dire Église ouverte à tous, inconditionnelle, et Église de confession, c'est-à-dire une Église où l'on confesse la foi de manière explicite. Alors, si ce sujet vous intéresse, eh bien, donc rendez-vous à 9h30 et 10h, 9h30 pour l'accueil, 10h pour le début des échanges dans la salle, dans le temple, samedi prochain. Et ceux qui le souhaitent peuvent rester. Il y aura aussi un repas où chacun apporte quelque chose à partager, comme d'habitude. Samedi, c'est aussi le jour d'un événement encore récent, c'est la deuxième édition, je crois, c'est le Festival protestant du livre. Vous avez des flyers sur la table au fond. Ce Festival protestant du livre se tient à l'Institut protestant de théologie Bouvard-Arago à Paris. Il y aura donc beaucoup d'auteurs protestants qui certainement dédicaceront leurs livres, que ce soit Patrick Herbernet, Marianne Caroline, Marianne Chemin, Jean-Marc Daniel, les diaconesses de Rugy, l'ancien historien André Encrevé, Jean-Noël Jeannet, Marion Muller-Collard, Antoine Louise, Didier Sicard, Daniel Sebold, voilà beaucoup de. Et il y aura aussi des animations pour les jeunes, des contes de Camille Chibail, et puis des éditeurs qui présenteront leur métier. Et puis à 17h, une table ronde sur le thème « Les femmes protestantes sont-elles à l'origine du féminisme ?» Voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est sur la table au fond. Et puis samedi 30, ce sera aussi le début du caté, la rentrée du caté pour les jeunes de ce groupe-là. Donc à partir de 17h, on verra exactement 7h30, je renverrai un message avant samedi. Le dimanche 1er octobre, il faut aussi noter, puisqu'il y a des parents ici, qu'il y aura une séance d'école biblique et de pré-caté, que les catés seront également ici au culte, et qu'ils participeront à l'animation du culte, et que ce sera aussi le dimanche de reprise des cantates. Donc après-midi, il y aura une cantate de Bach à 17h30. J'ai encore le sentiment d'oublier quelque chose. Non, plus tard en octobre. C'est plus tard, au mois d'octobre. Oui, en revanche, Gilbert, tu peux nous dire un mot sur les podcasts, parce que comme moi, je ne connais rien. Merci. Bonjour à tous. C'est juste pour vous informer que vous pouvez aussi retrouver les prédications. Sur les plateformes de diffusion de podcasts, ça peut être sur Deezer ou sur Spotify. Voilà, donc c'est. Ah oui, c'est nommé le foyer de l'âme, les prédications du foyer de l'âme. Voilà. Et c'est Gilbert qui s'en. C'est le musée d'Orsay. Pardon. Oui, il y aura organisé. C'est le 17. Au mois d'octobre, une visite est organisée par notre ami Fabrice Calais au musée d'Orsay pour l'exposition Van Gogh qui commence. Ce sera le 19, le jeudi 19 à 17h30. Donc, je vous informe, mais il s'agit de s'inscrire, puisque il y a un nombre limité de visiteurs. Il faudra s'inscrire auprès de moi, mais à partir du 1er octobre seulement.
Donc, notez-le si ça vous intéresse pour pouvoir envoyer un petit mail d'inscription. Donc, ce sera le 19 à 17h30 au musée d'Orsay pour cette exposition dont il est énormément question dans les médias d'art. Voilà. Alors, voici le moment de l'offrande. Alors, soit le festival de Marmaré, oui, il commence comme tous les ans, mais ce n'est pas notre activité, vraiment. Il y a les affiches, voilà, ça se tient en temple, mais ce n'est pas nous qui l'organisons. Le programme est dans le affiché à l'extérieur dans une des vitrines. Oui, c'est le moment de l'offrande, donc votre liberté doit être le moteur de cette offrande. Votre liberté et votre joie. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, puis nous chanterons le dernier cantique avant la bénédiction. Le royaume de Dieu vient là où les hommes et les femmes écoutent la voix du Christ. Le royaume vient là où des hommes et des femmes misent sur lui, sur la force de l'amour sans défense. Le royaume devient visible sous nos mains, sous nos yeux, quand nous allons où l'Éternel nous envoie et croyons à la force des actions modestes. Il nous donne la confiance et nous croyons que l'impossible en ce monde est possible pour lui, car il est le Dieu des promesses. À
confions à Dieu notre parcours, notre trajectoire, notre chemin, notre route, avec le cantique de 179. Thank you.